Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'actualité sur Digital Congo. Le président de la République a, à travers deux ordonnances signées en date du 29 mai, procédé à la nomination dans la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, et à la GECAMINE. Ainsi, Albert Yuma est reconduit président du conseil d'administration de la GECAMINE et Soma Lou Kondé nommé directeur général dans une autre ordonnance. Gabriel Kyungwa Kumwanza et Fabien Moutombe sont nommés respectivement président du conseil d'administration et directeur général de la SNCC. Autre chose, la nouvelle est tombée hier dans la soirée. Le bureau de l'Assemblée provinciale a suspendu le député Mike Mukebay pour une durée de 12 mois. L'élu de Lingwala est accusé de diffamation et de corruption pour son avocat conseil. Papi Mba qui attaque au niveau de la forme cette décision et annonce que Mike Mukebay introduira un recours. Reportage de Rita Bitota, Benjamin Boliki. Quelques heures après la décision de l'Assemblée provinciale de Kinshasa suspendant le député provincial Mike Mukebay, la réaction de celui-ci ne s'est pas fait attendre. L'avocat conseil du député provincial Papi Mbaki attaque au niveau de la forme la décision de l'organe délibérant prise lundi après une réunion du bureau. C'est une décision d'abord prise avec beaucoup de légèreté et puis bourrée de beaucoup d'irrégularités. Qui insinue la mauvaise foi ou l'intention de nuire de la part du président de l'Assemblée provinciale contre l'honorable Mukebay. Lorsque vous lisez la décision, ils font allusion, ou la décision fait allusion à un quelconque procès verbal de l'Assemblée plénière du 31 mai 2019, dans laquelle l'honorable Mukebay aurait outragé la plénière. Les procès verbal dont allusionné dans ces décisions n'a jamais été adopté. Pour nous, c'est un procès verbal mort-né, donc qui doit d'abord être adopté par une autre plénière. Lorsqu'il y a une faute reprochée à un député national, une commission doit être mise en place, et non seulement qu'elle doit être mise en place, on doit initier une procédure contradictoire, on doit l'entendre, et puis la commission, parce qu'elle doit en principe être instituée par une plénière, doit rentrer à la plénière, faire son compte-rendu, ce qui n'a jamais été le cas. L'avocat conseil du député provincial pense que sa suspension est un acharnement sur son client par le président du bureau de l'Assemblée provinciale, Godé Mpoy. L'honorable Mukebay, tout le monde le sait, c'est un député qui est mieux informé et qui a beaucoup de sources et parce qu'il connaît aussi beaucoup des dossiers sales de M. Godé Mpoy. Et raison pour laquelle il faut lui régler des comptes pour effectivement l'empêcher à arriver à déballer aussi ses déboires. Donc en fait, c'est ça la motivation de cette décision. L'élu de Lingwala projette déposer un recours en bonne et due forme auprès des instances compétentes pour l'annulation purement et simplement de cette décision qui jette déshonneur et discrédit à l'Assemblée provinciale, a-t-il dit. Et la nomination de certains mandataires publics par le chef de l'État fait débat dans l'opinion. Pour certains, ces ordonnances sont illégales parce qu'ils n'étaient pas contresignés par le Premier ministre. Pour Maître Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, le chef de l'État étant devant une situation de viol vu que le Premier ministre sortant expédie les affaires courantes et celui récemment nommé n'est pas encore investi par le Parlement, le chef de l'État a le droit de nommer. Il est au micro de Rachel Massingou. Est-ce qu'en ce moment ici, le chef de l'État pouvait prendre ses ordonnances sans contre-saint du Premier ministre? Maintenant, voilà la situation devant laquelle le chef de l'État s'est trouvé. Il a un Premier ministre sortant qui ne veut plus engager le gouvernement. Et il y a un Premier ministre entrant qui n'est pas encore investi pour engager le gouvernement. Mais en vertu de pouvoirs qui lui sont reconnus, de veiller à la continuité de la marche de l'État, de veiller au bon fonctionnement des institutions, et c'est comme ça que vous voyez toujours dans les ordonnances des chefs, il y a toujours, vu l'urgence et la nécessité, vous comprenez? À ce moment-là, le président de la République peut prendre des mesures exceptionnelles, mais malheureusement, mais qui font continuer la vie de l'État. On peut parler de la Constitution, mais on ne raisonne pas du vide laissé par la démission et la nomination sans installation. Mais beaucoup plus, c'est une question politique.
La question politique, ça signifie quoi? Il y a à craindre, et moi je dois le dire en observateur politique et juridique, il y a à craindre que si on traîne à former le gouvernement, que les chefs de l'État nomment tous les mandataires par voie d'ordonnance, sans contre-saint du Premier ministre et sans que le mandataire vienne de manière propositionnelle du gouvernement. C'est ça la question politique, c'est la crainte seulement. Mais moi, je dis aussi que les bons juristes qui sont avec les chefs de l'État ne peuvent pas laisser l'autorité suprême continuer à nommer alors que ça dérangerait la Constitution. Désormais, le Sénat congolais affiche complet les mandats de 8 sénateurs, dont 4 du Nord Kivu et 4 autres de Maïndombé, ont été validés par la plénière de ce mardi au Sénat. Ces sénateurs ont été félicités par leur père. Reportage de Obed Kambale, Jacques Aboy. C'est ce mardi que la plénière de la Chambre haute du Parlement congolais a validé les mandats des 4 sénateurs du Nord Kivu et 4 autres du Maïndombé, mais aussi du sénateur Ilunga di Olomami, dont le mandat a été validé par la Cour constitutionnelle. C'était après l'audition du rapport de la commission spéciale chargée de la rédaction du règlement intérieur du Sénat, chapeauté par les sénateurs Évariste Boshab Mabouj Mabilingue. Désormais, avec la validation des mandats des sénateurs des provinces du Nord Kivu et des Maïndombé, le Sénat congolais affiche complet. Entre-temps, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Jeannine Mabunda, a reçu en audience ce mardi 4 juin le diplomate français François Poujolas. Au menu de leurs échanges, la consolidation parlementaire entre la France et la République démocratique du Congo, ce dans le souci de promouvoir la bonne gouvernance. Reportage de Robert Kambali. Renforcement de la coopération parlementaire et de la diplomatie entre la République démocratique du Congo et la République française, c'est le point qui a été au cœur du tête-à-tête ce mardi à Kinshasa entre la présidente de l'Assemblée nationale, Jeannine Mabunda, et l'ambassadeur français accrédité en République démocratique du Congo, François Poujolas. Ce diplomate a appelé les speakers de la Chambre basse du Parlement congolais de matérialiser sa vision, de faire de l'Assemblée nationale congolaise la maison du peuple et d'être à l'écoute des députés nationaux et de la population, mais aussi consolider le contrôle parlementaire pour ainsi bien améliorer le climat des affaires en République démocratique du Congo. Premier contact officiel avec la présidente de l'Assemblée nationale, donc je l'ai à nouveau félicité de vive voix pour sa prise de fonction. Comme vous le savez, la France souhaite développer un partenariat confiant et global avec la République démocratique du Congo. Qui dit global dit qu'il s'adresse à tous. Et effectivement, nous avons un dialogue constructif avec les autorités de l'exécutif congolais. Et je crois qu'il est important d'avoir aussi une relation privilégiée avec le Parlement et singulièrement avec l'Assemblée nationale. Donc j'ai demandé à la présidente de l'Assemblée nationale d'évoquer les priorités qui étaient les siennes, alors qu'elle vient de prendre, j'allais dire, la direction de cette Assemblée. Nous avons constaté que sur un certain nombre de priorités, il y avait certainement matière à développer des échanges, voire des coopérations, sur, à la fois thématiques, sur des sujets qu'ils soient politiques ou économiques, qui contribuent tous à un développement durable de la République démocratique du Congo, et puis à la vigueur renouvelée de notre partenariat. Nous avons en particulier évoqué aussi ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire, des échanges plus nourris qui pourraient, dans un avenir proche, se développer entre l'Assemblée nationale de la RDC et l'Assemblée nationale française. Et dans le Haut-Katanga, un élément de la police nationale congolaise condamné à la prison à vie, le tribunal militaire de Kipushi l'a reconnu coupable de meurtre d'un civil le 31 mai dernier à Kasumbalesa. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité a assisté à ces audiences foraines qui ont duré 3 jours. Le reportage est de notre correspondant depuis le Haut-Katanga, Didier Mumba. C'est vers minuit de ce mardi 4 juin que le tribunal militaire de Kipushi, siégeant à Kasumbalesa, s'est prononcé dans l'affaire ministère public et partie civile Papi Lunga contre les prévenus Jean-Si Makambo Masasi. Cet élément de la police nationale congolaise a écopé de la peine la plus forte, la prison à perpétuité, pour avoir tué par balle Papi Lunga, âgé de 30 ans, en date de vendredi 31 mai 2019. Les prévenus étaient poursuivis pour abandon des postes, violation des consignes, dissipation des munitions de guerre et de meurtre.
soucieux d'instaurer l'autorité de l'État dans sa province, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yabula Katwe, a mis le paquet pour l'organisation des audiences foraines ayant tenu en haleine pendant 3 jours toute la ville frontalière de Kasumbalesa. Son ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jean-Claude Kayumba Tompa Tompa, a assisté à toutes les audiences. Il se dit satisfait du travail abattu par la justice militaire. Comme l'excellence Kabula l'a dit, il faudrait continuer avec les audiences foraines. Pourquoi? C'est pour décourager, parce que tout le monde sera exposé. Celui qui emprunte cette voie, il va retrouver l'excellence Kabula sur sa voie. Et l'audience foraine d'hier, la population a été satisfaite. Le monsieur qui a tué, il est condamné à perpétuité. À cela, nous réjouissons vraiment de notre justice. Parce que le sang humain coûte trop cher, ce n'est pas un sang animal. Toujours à Kasumbalesa, le patron de l'intérieur et sécurité se fait présenter par l'auditorat militaire et un groupe de présumés bandits à main armée. Ce groupe est composé de 3 gardes républicains, d'un policier et de leurs 5 complices civils. Jean-Claude Kayumba Tompa Tompa a instru que c'est hors la loi soit transféré à Lubumbashi pour y être jugé. Insécurité à Beni, 10 morts parmi lesquels les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est le bilan d'une nouvelle attaque terroriste des islamistes des ADEF du lundi au mardi 4 juin en commune de Rwenzori à Beni dans la province du Nord Kivu. L'avant-midi de ce mardi, la circulation a été perturbée suite à la colère des habitants et principalement les chauffeurs de taxi-moto. Après ce drame, reportage de notre correspondant depuis Beni, Rossimbouiki. Plus de 15 morts, dont des éléments effardissés, bilan de l'incursion des éléments identifiés aux terroristes islamiques de l'ADEF au quartier Wangoma, à ville de Beni, la nuit du lundi à ce mardi 4 juin. Les victimes ont été tuées par armes blanches et à feu. Conséquence, toutes les activités ont été paralysées dans cette ville. Les conducteurs des taxis motos qui ont perdu certains de l'air sont descendus dans la rue, transportant les cadavres jusqu'à la mairie de Beni. Nous sommes fatigués, ça fait mal vraiment, nous sommes fatigués. Kizito Binhangi, président de la coordination urbaine de la société civile de Beni, plaide pour des opérations offensives contre les groupes armés. La société civile déplore et condamne cette attaque. Les FARDC, avec le commandement des opérations Sokola 1 et le gouvernement congolais, mais également la force d'intervention rapide de FIB, ils doivent organiser les opérations du type de 2014 avec le feu Baouma pour que la défense soit neutralisée. Du côté de la Lucha, elle rappelle au nouveau chef de l'État congolais ses paroles et promesses d'honneur faites pendant sa campagne électorale de décembre dernier. Parlons infrastructure dans le Haut-Katanga. Le directeur général de la CGT a inspecté ce mardi 4 juin dans le Haut-Katanga les travaux de la route nationale numéro 1 dans son tronçon allant de la cité de Kasumbalesa à la ville de Lubumbashi. Cette route connaît des travaux depuis 2 ans, des travaux financés par les frais générés par le péage. Pour cette année 2019, l'objectif est de réhabiliter les 50 derniers kilomètres. Reportage de Didier Mumba. C'est une route Kasumbalesa toute nouvelle qui s'offre aux usagers. Les efforts fournis dans la réhabilitation portent ainsi peu à peu des fruits. Mardi 4 juin, le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITPR sur ce projet, est allé se rendre compte de ces changements. En compagnie de ses collaborateurs de l'antenne provinciale du Grand Katanga, Charles Médard Ilunga a notamment apprécié l'élargissement de cette route pour un croisement harmonieux des camions remorques. Au poste de péage de Kanyaka, un poste récemment construit, le DG de la CGT a salué les efforts de modernisation. Sous la conduite du chef de poste local, il a visité avec appréciation les différentes étapes de perception des frais de péage. L'idée, c'est d'aller peu à peu vers l'automatisation de ces opérations, a renseigné Albert Mouleka. Ce poste de péage moderne sera le modèle type pour toutes les routes concédées du Grand Katanga. Au quartier Whisky, dans le nouveau lotissement de la cité de Kasumbalesa, la firme Crexet procède déjà à la préparation de l'espace qui va accueillir le poste de péage de Kasumbalesa, fait sur le même modèle. La construction commence incessamment. Pour l'année 2019, la réhabilitation de la route Kasumbalesa vise 50 kilomètres, ainsi que la finalisation des travaux de protection des caniveaux par la construction des raidisseurs et des bordures sur la partie urbaine de ce projet.
Ici, les assurances de Médar Ilunga. Nous avons à peu près 40% aujourd'hui de la route qui est en très très bon état. 40% où la piste de roulement est en parfait état. Et alors, il y a des autres tronçons qui ont déjà été couverts par des travaux de monocouche. Et cette année, nous avons pour objectif de pouvoir asphalter, donc revêtir plus ou moins 50 km. Nous avons beaucoup de défis en même temps pour poser la couche de roulement sur plus ou moins 50 km, mais aussi travailler considérablement pour améliorer la portance et même déjà le confort sur des endroits qui sont sérieusement dégradés. La cité de Kasumbalesa est en proie à trois têtes d'érosion qui menacent la route nationale numéro 1. Le maire de cette nouvelle ville du pays s'en inquiète. L'action de réhabilitation de l'exercice 2019 prendra en charge ces travaux, a expliqué Charles Médar Ilunga, qui a sollicité l'implication du maire de la ville pour une gestion différente des ordures de ménage qui finissent souvent dans les caniveaux. Et le gouverneur du Kwilu, Willy Itundala, a visité ce mardi les chantiers de résidence des officiels du Kwilu, longtemps restés locataires. Le premier Kwilois se dit satisfait de l'évolution des travaux dans le cadre des 100 premiers jours de son gouvernement. Le reportage est de notre correspondant depuis le Kwilu, Benoît Degroftal. Dans le cadre des 100 premiers jours du gouvernement provincial du Kwilu, que le premier des Kwilois, honorable Willy Itundala Hassan, est allé personnellement se rendre compte de l'évolution des travaux de la modernisation et réhabilitation des résidences des officiels de la province du Kwilu. Ici, Willy Itundala Hassan indique aux responsables des chantiers de la disponibilité de tous les moyens possibles pour offrir aux officiers du Kwilu, longtemps restés locataires, des résidences dignes. Satisfaction de l'ingénieur Gabi Mubilulu, responsable de tous ces chantiers. Nous sommes très contents de la visite de son excellence au chantier. C'est un bâtisseur. Quand vous voyez même la paillote à la forme d'une araignée, cela prouve que c'est un bâtisseur. Comme l'araignée elle-même, c'est une bâtisseur, je pense que le gouverneur va construire. Deux mois, tout sera fini. Juste après, le premier citoyen du Kwilu s'est entretenu avec une forte délégation de la société Hydro-Congo, conduite par son directeur général Jean-Paul Tété, venu soumettre un projet de l'électrification de tous les chefs-lieux des 5 territoires de la province du Kwilu. Nous avons soumis un projet aux autorités qui vont l'étudier et le plus rapidement possible, elles ont promis de réagir. Visiblement, l'on constate que le premier citoyen du Kwilu, honorable Willy Itundala Hassan, donne déjà un signal fort pour redorer la province du Kwilu dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'heure est à l'unité au Nord Kivu. Hier, députés provinciaux, nationaux, sénateurs et notables de toute tendance ethnique, politique et tribale se sont retrouvés dans la commune de la Gombe pour fêter la victoire du gouverneur Karli Nzazuka Sivita. Des moments de réconciliation et des déclarations pour relever cette province soumise à plusieurs difficultés. Reportage de Blaise Ainantoli. Cette réception en l'honneur de Karli Nzazuka Sivita, gouverneur élu du Nord Kivu, est loin d'être ordinaire. C'est la consécration parfaite de l'unité dans la diversité. Députés provinciaux, nationaux, sénateurs du Front commun pour le Congo, la Mouka, Kash, ainsi que les notables de toutes les ethnies et tribus échangent, rigolent, boivent et mangent autour d'un seul nom. Karli Nzazuka Sivita. Au revoir les invectives de campagne et bienvenue l'unité. Le Nord Kivu a beaucoup de problèmes à résoudre, d'où cette allocution de Jérôme Lusenge Bonane, député Lamouka, président du caucus des députés du Grand Nord, qui demande un pardon mutuel. Il prône la cohabitation pacifique. Des moments de réconciliation, interpellateurs et encourageants pour le gouverneur. Le Nord Kivu a beaucoup d'atouts, mais aussi le Nord Kivu a beaucoup de défis. Nous voudrions à l'occasion remercier les autorités morales du FCC et CACH qui ont envoyé une équipe assez dynamique pour nous accompagner dans cette lutte. Et nous avons été victorieux et c'est la victoire de tout le monde.
Julien Padoukou-Kaongia, président du Bloc Uni pour la Renaissance et l'Émergence du Congo Burek, parti politique dont est membre, l'actuel gouverneur est content de voir le Nord Kivu faire un. C'est un homme très engagé, déterminé à atteindre ses objectifs, combatif et concilié en même temps. Je pense que l'ayant connu, suivi et encadré, je ne doute pas un seul instant qu'il rassemblera les fils et les filles du Nord Kivu pour un avenir radieux de notre province. Il s'ensuivra des témoignages et recommandations appelant le nouveau gouverneur à relever les défis de la sécurité pour combattre les groupes armés et les forces négatives avec le concours des populations toutes consolidées, mais aussi poursuivre les combats contre Ebola qui n'arrête pas de faire des victimes. Il faut se mettre sur les traces de son prédécesseur Julien Padoukou-Kaongia dans le domaine de la maîtrise de la décentralisation. Les Nord-Kivu en sortira vainqueur. À Goma, le Fonds des Nations Unies pour la population et l'Association des étudiants en médecine ont célébré ce mardi 4 juin 2019 la journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale. Plus de 40 000 femmes souffrent de ces fléaux en République démocratique du Congo, dont près de 3 000 au Nord Kivu. L'UNFPA promet de lutter efficacement pour épargner la femme congolaise de cette maladie honteuse. Reportage de notre correspondant depuis Goma, Mao Zigabe. Sous le thème « La fistule obstétricale est une violation des droits humains, finissons-en maintenant », la journée internationale dédiée à l'élimination des fistules a été consacrée à une conférence débat entre les experts en matière de santé et les étudiants en médecine des Goma et des Bukavu, réunis en Medical Student Association sous l'appui financier du Fonds des Nations Unies pour la population. L'agence onusienne a expliqué les pourquoi de la lutte menée contre cette affection. Et quand on regarde ce qui se passe à travers le monde, à RDC ici, près de 40 000 femmes sont porteuses de fistules. Et elles sont bannies de leur société. Elles n'ont plus de dignité de femmes. Celles qui étaient mariées sont chassées de leur foyer. On ne devrait pas les abandonner. Donc c'est pour cela que l'UNFI avait décidé, a pris la décision, et nous continuons encore, de lutter contre cette affection, cette maladie, pour redonner la dignité aux femmes, aux jeunes filles qui en souffrent. Une souffrance qui touche également le cœur de ses futurs médecins après des explications tirées des leçons données par le médecin directeur de l'hôpital de Kieshero. En tant qu'étudiants en médecine, nous sommes appelés à contribuer à l'avancement de notre communauté, aussi à l'élimination de la fistule, vu que déjà dans notre association, nous avons un département qui s'occupe de la santé sexuelle, reproductive, aussi du VIH-Sida. Cette lutte a déjà produit des fruits, mais UNFPA compte élargir son action sur toute l'étendue de la RDC. Une nouvelle stratégie qui demande la contribution de tous pour éliminer la fistule obstétricale, une maladie honteuse que les femmes ne méritent plus au XXIe siècle, selon les représentants de l'autorité sanitaire en province du Nord Kivu. Les obsèques de l'ancien premier ministre et leader Maximo Étienne Tshisekedi wa Mulumba se sont bien déroulées. $1,500,000 ont été déboursés par le Trésor public au lieu de $2,500,000 prévus par l'État congolais pour les obsèques dignes d'un ancien premier ministre. Aussi, plusieurs dons ont été réceptionnés, c'est ce qu'a relevé ce mardi devant la presse le comité d'organisation des funérailles du père de la démocratie qui se réjouit tout de même du bon déroulement des obsèques. Reportage de Rosie Moutela. Bien ont coûté les funérailles d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba, ancien premier ministre et président de l'Union pour la démocratie et le progrès social. La question continue d'alimenter les débats. Et pour mettre fin aux spéculations, le comité d'organisation a délié sa langue devant la presse. Nous avons affaire à un ancien premier ministre, mais dont le fils est chef de l'État. Au niveau du trésor public, il y a eu un montant qui est connu de tous, et c'est un secret pour personne, là c'est un secret de polichinelle, c'est 2,5 millions, mais il n'y a qu'un 1,5 million qui a été décaissé, et le montant global ne peut pas être connu, parce que les travaux ne sont même pas encore terminés. À la question de savoir si le corps rapatrié et inhumé est bel et bien celui du leader Maximo, Lucien Lundula, président du comité, qui a également répondu aux autres questions liées à l'organisation des funérailles, s'est exprimé en ce terme. Au niveau des invitations, on a remis au protocole d'État
ce qui se fait habituellement. C'est-à-dire qu'il y a des corps constitués, il y a des diplomates, et eux, on a suivi le circuit normal d'invitation qu'on donne aux autorités. Et Martin Fayulu, étant élu de la République en tant que député, eh ben, il était dans la liste des députés qui devaient recevoir son invitation. Difficile certes, la mission d'organiser les obsèques d'Étienne Tshisekedi a été bien accomplie. S'est réjoui le comité d'organisation qui reconnaît tout de même des petits dérapages. Appelé affectueusement père de l'alternance, Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo, ainsi que sa jumelle, l'honorable Jeannette Kabila, fête ce 4 juin leur anniversaire de naissance. La direction de Digital Congo ainsi que son personnel les souhaite un heureux anniversaire. Et c'est par ici que nous mettons fin à cette édition d'actualité. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Digital Congo Télévision. L'actualité est commentée de plusieurs manières à la une de journaux parus ce mardi à Kinshasa. Le journal Forum des As titre à la une, portefeuille, Fatih amorce le partage. On peut lire, réputé proche de Joseph Kabila, Albert Yuma, maintenu aux commandes de la Gécamines. Ces réclamants de l'actuel chef de l'État, Gabriel Kyungu, nommé PCA à la CSNCC avec comme DG Fabien Mouton. La prospérité aborde dans le même sens et écrit RDC, Tshisekedi nomme Gabriel Kyungu, PCA à la SNCC et reconduit Albert Yuma à la Gécamines. Sur le colonne, le journal écrit la grosse surprise. Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza est nommé président du conseil d'administration PCA de la SNCC. Fabien Mutombo Amutombo nommé directeur général et Jacques Kamenga Chimwanga au poste de directeur général adjoint. Quant à la Gécamines, Albert Yuma Mulimbi est reconduit au poste du PCA alors que Jean-Michel Lukonde et Bester Hilaire Tambwengoy sont nommés respectivement directeur général et directeur général adjoint. Dans un autre registre, l'Avenir publie à sa manchette Tshisekedi invite les États africains à mutualiser leurs efforts. Pour le confrère, la République démocratique du Congo partage ses frontières avec 9 pays voisins qui ont connu chacun soit des crises politiques, communautaires ou humanitaires, soit des guerres civiles, des insurrections et attaques armées, voire des épidémies ou catastrophes naturelles. Ces différentes crises ont entraîné des vagues de déplacés forcés et des réfugiés d'une façon répétitive et posant à chaque fois l'épineuse problématique de rapatriement des dites populations. Tout en réaffirmant son hospitalité légendaire, la RDC, à travers son président Félix Tshisekedi, invite toutefois les États africains à mutualiser leurs efforts pour trouver une solution idoine à la question des réfugiés ainsi que celle des groupes armés. La référence plus évoque l'Assemblée nationale, la mise en place imminente des commissions permanent. À en croire le confrère, à l'Assemblée nationale, l'heure est à la mise en place des commissions permanentes. À ce sujet, le premier vice-président de la Chambre basse, Jean-Marc Kabunda Kabund, a réuni le lundi 3 juin 2019 les présidents de groupes parlementaires pour évoquer les différentes questions liées à la composition des différentes commissions permanentes de cette institution. Dans ses propos, Jean-Marc Kabund a mis l'accent sur deux critères.
savoir-faire, compétences et disponibilité dans le choix des membres qui seront délégués par le groupe parlementaire afin de faire partie des dites commissions. Bouclons la boucle avec la Pékine. Le tabloïd du groupe L'Avenir évoque, à cause de ses propos diffamatoires, Moukébaï exclu temporairement de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ses émoluments seront retenus pendant 12 mois. Et le journal renseigne ce que tout le monde craignait vient enfin d'arriver. En effet, l'honorable Mike Moukébaï a été exclu temporairement de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ses émoluments seront retenus pendant la durée de cette exclusion, soit 12 mois. La décision a été prise hier lundi 3 juin par Godin Poy, président de l'Assemblée provinciale, après avis de l'Assemblée plénière. Le commandant de la police de l'Assemblée